Ah bah oui, je vous ai pas montré. Il y a des petites poules. Je vais le tuer avec une poule. Ok, ok les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Crysis, plus précisément sur l'éditeur. L'éditeur de map où on peut faire vraiment n'importe quoi. Tu as accès au niveau du jeu, tu vois. Et tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, il y a plein d'objets que je peux déplacer, qui normalement on peut pas le faire, tu vois. Voilà, voilà, t'as vu. Regarde, ce véhicule, je peux le bouger, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'habituellement dans le jeu, bah tu joues au jeu et tu fermes ta gueule, tu peux rien faire. Bon, c'est pour ça qu'on va s'amuser aujourd'hui. Et ouais, ça se trouve, on va vraiment jouer au jeu, dans le jeu, tu vois. Et on va utiliser un trainer pour s'amuser. Mais pour l'instant, j'ai envie d'abord d'explorer ce truc-là. Parce que j'avais déjà fait ça auparavant. Mais je pense hein, que j'aurais pu faire pire quand même. Donc là, regardez un petit peu ce que ça donne. Tac, je suis dans le jeu. Bim ! Ça fait écraser mes petits... wesh, comment ils peuvent se... Comment ils peuvent se relever, frérot? C'est pas possible. Ah, Zermatt, t'essayes de... Vous voulez vous mettre sur moi, c'est ça? En mode, vous voulez m'éclater, hein? Vous êtes mignon, vous êtes mignon, vous êtes mignon, vous êtes... Ah, je l'ai éclaté, M-Skin, en fait. Je vais m'échapper, hein. Tiens, non, t'as... C'est puissant, quand même, hein. Attends, il va pas m'échapper, lui. Il va pas m'échapper. Yeah. C'est hardcore, quand même, hein. Je t'avouerai que c'est assez hardcore. Regarde ça, le véhicule. Bon, tu comprends un petit peu le délire. Et placer des ennemis en dessous. Et en fait, dès que tu vas dans le jeu, et bah, forcément, les lois de la physique, voilà, ça tombe sur eux. Et eux, ils sont juste en dessous, tu vois. Ça, c'est juste un exemple de ce que tu peux faire. Mais en fait, tu peux spawn tout ce que tu veux du jeu, tu vois. Tout ce que tu veux. Des armes, même que habituellement, tu n'as pas. Donc, je peux rajouter des gens, tu vois ce que je veux dire. Regarde, ah, hélicoptère. Asian hélicoptère. Oh, d'accord. Là, j'ai rajouté un hélico carrément, frérot. C'est quoi, patrol boat? Wesh! Mais c'est des trucs du turfu, frérot. C'est pas vrai, frère. Tu peux ramener un alien. D'accord. Il y en a... ouais, parce qu'il y a des aliens dans le jeu. Vas-y, on va voir ce que ça donne si je les spawn, si je le spawn juste là, tu vois. Les aliens contre les êtres... Tu réagis pas, frère. Théma, il est en train de les mater. En mode, oh, les pauvres, vous vous êtes fait écraser. Mais réagis pas. Mais déjà, est-ce que je peux le buter ou pas? Ah, oh, t'es ma petite victime, en fait, là. Oh, miskin. Mais attends, je peux même modifier le terrain? Wesh! J'ai fait un trou. Voilà, j'ai fait... Oh, j'ai fait un trou très très profond. Là, sans mauvais jeu de mots. J'ai fait... Ah ouais, d'accord. Mais attends, si je fais ça ici, ils vont juste tomber. Attends. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai envie de voir. Ah ouais, j'ai rien respecté. Voilà, j'ai rien respecté, frère. Je pensais pas que c'était possible de faire ça, frère. C'est incroyable, ils sont en train de couler les pauvres. Putain, du coup, celui-là, c'est vraiment un gros bâtard. Le mec, rien qu'il mate, il fait rien du tout. Putain. Bah, attends, c'est quoi? Je vais juste mettre beaucoup plus d'ennemis, tu vois. On va essayer de voir. Ça risque d'être marrant. Plus on a, mieux c'est, tu vois. Ah, la maison en haut. Voilà, comme ça. Ah ouais, ça va être n'importe quoi, là. Ça va être n'importe quoi, frérot. Tac. Ils sont pas tous morts? Ils ont tous morts, non? Oh, y a pas de survivants, super. Il y en a qui sont embrochés parce qu'il y a un gros pic. Ah, je mets un requin là. Oh, mets le requin là et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va mourir le requin? Requin. Il est où le requin? Il est où le requin? Wesh! Mets-le en hauteur ce bâtard, mets-le là. Tu vois, comme ça il va pas m'échapper. Ah, en fait, il spawn pas. C'est différent. Si je mets le requin genre là. Ah bah c'est bizarre, il spawn pas. Waouh, au calme. Au calme, je suis en train de conduire un putain de... Aïe merde, un navire. L'hélico, au calme. Conduis l'hélico, au calme. Wesh les mecs, ça va ou quoi? Aïe, merde, 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 attends. Bute le... Ah c'est bon, j'ai buté le mec là, l'alien. Il fait me casser les couilles de toute façon. On débarque frérot, t'inquiète pas. Wouh, eh wesh, 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 wesh. C'est le seul jeu... Où les hélicos peuvent faire des saltos, frère. Donc on peut balancer des missiles, d'accord. Et on peut faire des saltos bizarres. T'es mal, je vais faire un salto là. Wesh, 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 wesh. Ça se barre en couille. Ça se barre en couille, je te dis. Non mais je vous avais dit que ça se barrait en couille, vous me croyez pas. Si c'est pas joli ça, vas-y, spawn-les. Waouh, c'est magnifique. Par contre, ça commence à faire ramer. Ouais, ça commence à faire ramer. Il y en a qui bug un peu. Lui, on dirait un si à moi. Wesh, wesh. Ah non, les mecs, ça va pas le faire, hein. Mais tu sais, je peux m'amuser rien qu'à essayer de les génocider, tu vois. Enfin, pas les génocider, mais à les buter, tu vois.
C'est pareil. C'est quoi comme arme ça? Wouh! Ah ouais, d'accord. Ça fait du sale quand même. Ça fait, c'est pas mal. Je pense que... Non, mais regarde pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça, les mecs. C'est pas ma faute, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'amuser mes abonnés aussi, sa mère. Non? Wesh. Tu fais quoi, toi, connard? Merde. Attends, on va essayer ça. Essaye ça. Wesh. Ah ouais, d'accord. Ça bouge partout, sa mère. Restez à terre, s'il vous plaît. Stay to the ground. Stay to the ground, bitches. Stay to the motherfucking... Ah, d'accord. Non, j'ai compris ce qu'ils veulent. Je crois que j'ai compris. Ok. Ils veulent des trucs qui fassent du boom boom, du vrai boom boom. Ça raconte quoi, rappelez-moi ou pas? Ouais, ça a pété, frérot, ça a pété. Ça a pété, je t'ai dit. Bouge pas, toi, bouge... Roger! Aïe. Mais je suis mort avec eux, c'était pas le but. Non, mais en vrai, je me dis que peut-être si je mettais plein de barils aux alentours, ça serait drôle, non? Plein de barils. Et il y en a qui s'amusent à faire ça, hein. Ils font des tonnes de barils, tu vois, des trucs de ouf. Il y en a, ils s'amusent à faire des tours. Et moi, je l'ai jamais fait. Et j'ai envie de voir ce que ça donne, hein. Vas-y. Ça se passe comment, en fait, si je tire là? Waouh. Non, c'est impressionnant quand même, hein. C'est-à-dire qu'il reste suspendu dans l'air. Et ça, c'est bizarre un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il commence à... Pour qu'il réagisse, en fait, tu vois. À la physique, à la... Ouais, à la gravité, en fait. Donc lui, là... Ah, faut le toucher pour l'activer, en fait. D'accord. Et là, ok, et il faut tirer dessus pour le faire exploser, ok. Donc, exemple, si je veux juste que tout ça, ça s'écroule, faut que moi je me mette dessus, tu vois ce que je veux dire? Attends. Voilà, comme ça. Wesh, par contre, ah putain, faut pas que je meure, ça me saoule. Ah ouais, d'accord, super. Ça, ça tire à l'infini normalement? Ouais. Limited ammo, ouais, ça va exploser, là, ça va exploser. Waouh, à cause du nombre de barils. Écoute, d'accord. Vu que c'était peut-être pas assez pour vous impressionner, on va essayer de faire l'une des plus grandes explosions que vous avez jamais vues. Regarde ça. Tu tires juste dedans une fois. Wesh. Tire, frérot, tire. Ouais, doucement, c'est trop. C'est... Et encore, ça c'est rien, tu vois, y a pas grand chose en vérité. Mais, ouah, c'est vrai que j'ai rarement vu une explosion comme ça, frère. C'est ridicule. Et il y en a encore là-bas, normalement. Putain de merde. Vas-y, balance. Wouh. Bande de petits bolos. Ça va exploser, les... Ouah, putain, les palmiers miskins. J'avoue, ils ont rien fait dans l'histoire, j'avoue. Et là, les amis, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le jeu en soi et foutre encore plus la merde. F.L. Lago, qui connaît pas Jaro. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Wouh! Regardez un petit peu, les amis. On se déplace à une vitesse assez ouf. Et normalement... Ouais. Ah ouais, j'avoue. Normalement, même notre force, elle est assez ouf, si tu vois ce que je veux dire. Attends, monsieur. Déjà, rien qu'on se déplace à côté. Tema. Il se relève même pas. Bah, vas-y frère, on va s'amuser. On va Oui. On va s'amuser. We're gonna amuse ourselves. Ah, voilà. Ça, c'est une arme de ouf, les amis. Ça, je crois que c'est une sorte de bombe atomique. Et je voulais vous la montrer, honnêtement. Bah, vas-y, balance. C'était pour vous donner un ordre d'idée, en fait. Donc, si tu vois un petit bateau qui te fait chier, tu balances ça dans sa gueule. Et normalement... Il a disparu. C'est comme... Franchement, c'est comme de la magie. C'est un truc de ouf. Regarde. Ouh. Balance et toi, tu dégages. Oh. T'as vu de loin ce que ça donne? C'est pire encore, sa mère. Ok, d'accord. Ils veulent la guerre. D'accord, il y en a, ils sont juste là. Hein. Ok, regarde. Bim. Wesh. C'est pas ma faute. Non, moi, ils m'ont énervé, je te jure. Wesh, même les palmiers, ils prennent cher, les pauvres. Normalement, là, les amis, on peut ramener un trainer. Et ce trainer, il peut nous permettre également de faire des choses assez intéressantes, quand même. Normalement, là, ils me voient plus, ces bolosses, tu vois. Et je devrais même créer la confusion. Là, normalement, ils savent plus où je suis, tu vois ce que je veux dire. Grâce au... Wesh. J'ai dit, vous savez plus où je suis, bande de bolosses, putain. Wesh, t'as vu un peu ça? Maintenant, je peux même me voir comme ça, frère. Ça, c'est pas mal. That is not bad. Mais là, si j'active. Oh là là là. Regarde comment je me balade.
T'aimes un peu comme je me balade, c'est n'importe quoi. Normalement là les amis, avec mon cheat, je suis censé même les balancer très loin les gens. Tu vois, là c'est loin, c'est vraiment loin, je vais pas te mentir, il faut une force de ouf pour faire ça. Je peux déplacer le véhicule comme ça? Tu penses? Regarde. Non? Ah j'avoue, il bouge pas, hein. Connard, connard. Désolé frère, tu m'as énervé. Vas-y, cours! Ça fait comment il court rapidement? Si c'est pas ouf quand même. Wouah. Voilà, c'est n'importe quoi. Tu vois quelqu'un? Bim. Eh franchement, si seulement il faisait ce perso dans un New York City géant, je sais pas quoi, comment tu t'amuserais de ouf. Les gens où tu pourrais sauter vraiment comme Hulk et avoir sa force. Ça, bah un Hulk en fait, un jeu Hulk, ça serait pas mal. Regarde juste quand je prends un baril comme ça. C'est ridicule. Mais attendez, je vais vous emmener dans un autre niveau où j'aime beaucoup vraiment, parce que tu peux faire tomber des ennemis, trucs comme ça, ça peut être pas mal. Regarde-moi ce boss qui est en train de faire son petit footing miskin. Il sait pas ce qui va venir le déglinguer, le pauvre. Ouais, je l'ai envoyé dans la jungle. Toi, s'il va rejoindre ton... Oh. Wow, qu'est-ce que je trouve ça joli en vérité, tu vois. Vraiment, je trouve ça joli. Et normalement, s'ils m'aperçoivent, ils vont commencer à déglinguer le pont. Mais comme je suis trop speed en vrai, tu vois, ils vont jamais m'envoyer chier, tu vois ce que je veux dire? Au contraire, c'est moi qui vais les envoyer chier. Monsieur, je fais mais ils font tous du footing. Je trouve que c'est bien, il y a un joli message, tu vois. Mais quand même, arrêtez de faire genre, bande de bolos. Attends, ouais. Regarde la rapidité. T'es mal à la rapidité, frère, c'est Sonic. Le gars, c'est... Voilà, même Sonic, je sais même pas s'il peut faire ça. Ouais, c'était un saut, ça, que j'ai fait. Hein. Tac, si je le balançais, lui... Attends, tac. Wouah. Je l'ai balancé fort. Mais non, n'activez pas la putain de truc. Non, 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 non. Voilà, lui, il allait faire un truc, là, un flair. Il allait attirer l'attention des autres. Il ne faut pas, les amis, parce que je vais être incognito. Bande de petits connards, qu'est-ce que t'as maté comme ça? Wesh, ils font quoi, là? Ils font quoi? Non, non, non. Ne détruisez pas le pont, les mecs. Détruisez pas le pont, j'ai dit. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Wesh, bien fait pour ta gueule, connard. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Ah ouais, non, ça sent pas bon. Faut pas faire ça. Mais les mecs sont pas affûtés, en fait. T'es mal ce qu'il fait, lui. T'es sérieux, toi, à rester comme ça? Les mecs, ils sont en train de prendre une pause au calme. Je sais pas pourquoi. Les mecs, c'est moi l'ennemi, hein. T'es censé faire... Bah, tu sais quoi, tiens. Je te balance sur ton pote, salaud. Tu m'as saoulé. Vous m'avez tous saoulé. Vas-y, viens, viens. Il est en train de chercher son pote. Il est en train de dire, mais non, ils sont passés où? Va aller voir. Vas-y, merci. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, en fait, ils sont en train d'être emportés par le courant. C'est super réaliste, ce jeu, je vous le dis. Enfin, pas ce qu'on est en train de faire, bien sûr, mais c'est réaliste en soi, là, au niveau de la physique, etc. Un truc comme ça, quoi. Toi, viens ici, j'ai envie de te plaquer contre un mur ou quelque chose comme ça. Un truc fort. Oui, voilà, un truc comme ça. Non, 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 ne m'échappe pas, frérot. Je vais te plaquer contre le tracteur, toi, viens. Viens, je te plaque contre. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? T'as peur du tracteur? Non, assume. Tiens, ta mère, vas-y, tiens. T'aimes les barils, toi, ou pas? Vas-y, connard, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? Ne sois pas pressé comme ça, frère. Ne sois pas pressé comme ça, je t'aurais prévenu, frère. Oh là 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 là. Salut, ça va? Vas-y, dégage. Oh, il s'est pris le palmier, M-Skin. Oh là là. Toi, tu vas te prendre quoi? On verra. Lui, je pense que je vais l'envoyer chez quelque part, tu vois. Je vais l'envoyer ailleurs, mais loin, 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 loin. Vas-y. Oui. Joli. Pour moi, ça, c'est un touchdown, frère. Pas mal. Il est parti là-bas au niveau de la rivière. Tu sais qu'il y a un mec ici, tu vois, sur cette mini tour. Et il me suffit normalement juste de faire ça, tu vois. Tac, et normalement ça se pète. Voilà. Normalement il devrait tomber, tu vois. Et là je viens d'enlever juste un truc. Il faut que j'enlève, je crois, deux autres. Et puis c'est tout. Attends. Voilà, il commence à tomber. Voilà, c'est bon. Tu fais moi le malin. Tu pensais que t'avais un avantage sur moi. Vas-y, viens, 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 viens. Tu sais c'est quoi ton avantage? Tu sais c'est quoi ton... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, il est pas encore mort. Ça c'est un petit peu un miracle. Mais attends, on va changer ça tout de suite. Tiens, connard! Ouais, regarde, on peut aller super loin. Je pense même qu'on peut sortir de la map. Il y a moyen, tu vois. Mais je pense que eux, ils te mettent une sorte de... Ils te tuent automatiquement, un truc comme ça, tu vois. Une sorte de barrière invisible, tu vois ce que je veux dire. Mais la map est vraiment géante. Là, on était tout là-bas, il y a à 1 km d'ici, tu vois. Et la map n'est toujours pas finie, tu vois. Normalement, on peut encore se balader ici, tu vois. C'est ouf! Moi, je vous dis, c'est assez fun quand même. C'est assez fun. Regarde où je vais. Là, j'ai pas. Voilà. Ouais, ils vont essayer de me buter, mais ils y arriveront pas, les pauvres. Ils ont le seum. Voilà, ils ont le... Ah! Ils activent un truc en gros qui arrête ton cœur. C'est des bâtards quand même, hein! Ah bah oui, je vous ai pas montré. Il y a des petites poules. Je vais le tuer avec une poule. Oh. Mais non, je l'ai vraiment tué avec une poule.
C'est un truc, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Wouh! Désolé, petite poule, ça pète ça! Ça pète ou pas? Non, ça pète pas? Ah, bah voilà, frère! Regarde, un coup de poing et tout se pète. T'as vu? Magnifique! Bref, les amis, on en a fini avec cette vidéo. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Et ouais, si vous avez kiffé, vous laissez un gros like, pourquoi pas un commentaire. Et ouais, surtout des suggestions d'éditeurs de jeux, un peu comme ce que je vous ai montré au début de vidéo. Et ouais, si on a sur d'autres jeux en fait, tu vois, sur lesquels je pourrais vraiment m'amuser comme ça. Et ouais, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace! Hey, oui.